Salut à tous, c'est Bysanka, donc aujourd'hui nouvelle vidéo sur GTA. On va custom les véhicules qu'on a achetés tout à l'heure avec Coco. T'as une préférence du coup, Coco, pour le véhicule qu'on va custom en premier? Me sors pas la moto, je peux monter que tout seul dedans. Non, t'inquiète pas, la moto, celle là-bas là. Tu veux quoi? Laquelle? Celle-là. Elle qui Celle-là. est déjà un peu custom là? Ouais. Vas-y, monte dedans, je vais te vendre du rêve. Alors, tac tac. Donc celle-ci, c'est un véhicule que j'ai acheté qui était déjà un peu custom, mais normalement je peux en faire une dinguerie. Donc on va voir la Vapid Imperator Apocalypse, grosse cylindrée. Tu vas voir les modifs, regarde bien avant, regarde bien après, tu vas plus la reconnaître. Alors c'est parti, on a quoi? Tout d'abord on a les freins, freins de course. Ensuite on a propulsion, propulsion latérale. Voulez-vous vraiment payer 520 000 $ pour acheter cet objet? Attention, cet objet sera de nouveau verrouillé si vous le retirez ensuite. Ah ouais, putain, là tu peux acheter des choses qui sont verrouillées. 520 000 $, je vais d'acheter le machin que j'avais pas le droit de mettre là. Oh le délire. Décoration. Alors, on a quoi? On a double torche. Sur l'avant, tu les vois quand même là? Ouais. Ouais, je les vois. Ouais. Oh les bâtons. Bouquet détonnant. Justice rurale. Paon du désert. Ou chiche kebab. Allez, chiche kebab. Alors, on paye 8 000, mais c'est pas trop cher. Ensuite, on a les pics. Donc 100. Oh, oh allez, combien que ça coûte ça? 55 000 $. Donc ça peut être moins cher, je pense, si on fait des défis pour pouvoir les débloquer, mais nous, on paye tout direct. Là, on a les lames tournoyantes du côté. Regarde qui tourne, ouais, tu les vois? Regarde. Derrière. Ah oui, il y en a deux des côtés et une rose derrière. 137 000 $. Et c'est pas donné. Hein. Blindage renforcé. Donc là, 100 blindage. Ici, on a le blindage léger. Blindage renforcé ou le blindage lourd? Bon. Blindage lourd. On va opter pour un blindage lourd à 300 000 $. Oh putain, je crois que j'aurais plus de fois après ce DLC. Arceau de sécurité. Ah bah ça, du coup, c'est à l'intérieur que ça se passe. Généralement, on met les plus chers qui sont les meilleurs. Ensuite, on a quoi d'autre? On a le moteur. Donc moteur reprog niveau 4, bien sûr. Échappement. Ouh, échappement de série. Échappement chromé. Échappement ovale. Là on a les échappements en angle. Et là on part dans le what the fuck. Chaque autant. Échappement usé sur le côté. Ou méga échappe. Allez, c'est parti sur des échappements à 21 000 $. La calandre. Ah, donc ça. Et ensuite ce que j'ai pas déverrouillé. Oh, pas mal. Oh, ça c'est pas mal ça. Ancel, ouais. Cowboy et totem cannibale. Oh. Ouais, ça, ah, allez bien, je kiffe ça. De toute façon, les véhicules là, faut qu'ils soient dans le plus what the fuck possible. Là, on a les capots. Bon, ça, on connaît du coup. Ouais. C'est les mêmes que généralement sur la voiture. Klaxon, éclairage. Allez, kit néon, soyons fous. Hop là. On verra d'abord avec la couleur. Peut-être d'abord, on a des motifs. Ça, c'est pas mal. Wabi Sabi. Ah ok, donc c'est rouillé en fait. Ensuite, vieux taco, guimbarde et tas de ferraille. Et celle-ci, 43 000 $. Oh, c'est abusé les prix. Ouais, j'avoue. Ah, on peut l'acheter? Non. Allez, on va marquer 100K. Franchement, c'est stylé. Hein. Franchement, ouais. À voir si les courses sont bien aussi. La plaque, on s'en fout. Peinture, on va laisser rouiller, je pense. Il y a quoi comme peinture qui existe là-dessus? Couleur principale. Ouais, bah, toutes les couleurs qui existent généralement. Vendre, suspension, on rabaisse. Transmission, allez à fond. Turbo, c'est parti. Saut vertical, c'est quoi ça? Tu vois quelque chose? Débloquer l'achat de cette... Bah, c'est pour faire des sauts alors. Pense. Vas-y, saut à 100%, 420 000 $ ça coûte. C'est pour sauter avec la caisse. Bon, mais... allez, là, c'est une caisse à 7 millions là. Amélioration des pneus, au moins à l'épreuve des balles. Ouais, voilà. Ensuite, fenêtre. Mais gros, elle a quoi? Mais combien elle m'a coûté la caisse, cousin? Les arbres, regarde, bélier, gros, regarde. Bah, oh, 280 000 $. Mais gros, ils vont me ruiner le DLC. Arme principale, 300 000 $, gros. Les deux batteuses à l'avant, là. Ouais, ça passe bien en plus. Ensuite, les mines.
mine. IEM. 300 000 dollars. Allez, c'est parti. Ah, mais la voiture, elle m'a coûté combien? Faudrait que je garde sur le rec avant et après. C'est quoi ça? Mortier. Quoi derrière? C'est quoi ça? C'est des mortiers. 300 000 dollars. Oh la caisse, bah elle pète tout, mais vrai, le prix, laisse tomber, il faudrait que je calcule à combien ça m'est revenu. Je vous le mettrai dans les commentaires. Je pense que t'en as au moins 4 millions là. Ah ouais, c'est abusé. Facile. Bah elle est magnifique, franchement, elle est magnifique. On ira essayer de faire une petite course avec pour voir ce que ça donne. Comment je peux faire? Alors, on va essayer de faire quitter. Quitter l'arène complet. Normalement, je serai avec la voiture dans la rue, non? Ah, les PNJ, ils vont péter les plans. Ouais, ça m'a fait heureux, ça m'a fait jeter par terre. Hein? Ça m'a éjecté de la voiture, je me retrouve chez moi. Ah, parce que dans mes paramètres. Ah ouais, moi aussi. Putain, je pensais que j'allais sortir avec la caisse. Attends, je suis loin là, gros, je suis dans les montagnes. Hein? Mais t'es bugué, gros, la vie, ton jeu est cassé. La vérité, regarde sur la map où je suis, gros. Attends, je suis dans le chargement. Mais ton jeu, il a l'air d'être cassé méchamment. Hein. T'as l'air, t'avais la vue de mon personnage. Attends, tiens, je te fais revenir, regarde, tout rapide. Hop là, vas-y, reviens. Et sors à pied, ouais. Sors à pied toi-même du truc. J'ai juste essayé. Ouais, je vais faire ça, je pense que je vais sortir à pied. Je vais essayer de trouver ma caisse et sortir avec ma caisse. Ah, franchement, une dinguerie. Je t'ai dit, regarde-la bien avant, regarde-la après. Il n'y a plus rien qui ressemble. Alors là, je fais juste sortir, c'est top. Ouais, fais sortir à pied et tu me rejoins du coup. On peut aller dans la rue avec les voitures là, moi. Ouais, j'espère. Ah oui, ça y est. Ouais, oh la dinguerie. T'es où? J'arrive, je sors là. J'ai un petit chargement. Ah, je vais passer à côté de la moto, j'ai dû couper ses jantes. Ah, t'es là. Ouais, j'arrive. Alors attends, du coup, véhicule. Je suis peut-être sur personne. Accès, véhicule, tout le monde. Oh, je suis mort par ta lame. Ah oui, elle est rentrée, elle est redescendue. Mais non, c'est trop stylé. Mais comment on fait pour. Eh gros, je peux pas monter avec toi, je crois. Ah, je peux sauter et tout. Gros, je crois que je peux pas monter avec toi, gros. Ça m'a découpé la jambe. Et si moi, je sors? Ah, voilà, attends, vas-y, t'inquiète. Viens. Là, ça a l'air d'être bon. Il y a les lames de l'autre côté? Ah, il y a pas de lames. On va essayer de rentrer en même temps. Vas-y, prêt? 1, 2, 3, go. Appuie, cousin. Vas-y, c'est bon. Ouais. Allez, let's go. Alors, regarde, je peux lâcher des mines. Ah, j'aurais peut-être dû accélérer avant. Je peux sauter. Oh ouais, gros, c'est stylé ça. C'est toi qui peux tirer? Non. Non? J'sais ah non, c'est ça. Moi. Ah, je bombarde là. Ah, j'ai des mortiers, regarde derrière, je lance des mortiers. Regarde derrière. Oh putain. C'est abusé. En plus, elle est rapide de fou la caisse, hein. Ah, au prix qu'elle a coûté, vaut mieux. Hop, le petit saut pour esquiver les voitures qui arrivent. Je vais découper la caisse, genre. C'est possible, tu crois? Je pense. Ah, faut pas être collé. Elle a pas l'air d'aimer, en tout cas. Attends, je vais la coller du côté, comme ça. Viens là, toi. Oh. Allez, bam. Là, je te découpe, cousin. Dès que je le touche, il s'envole. Ah, regarde. Oh, je peux pas mieux le bloquer. Ah, dommage. Mais c'est trop efficace, c'est abusé ce qu'ils ont fait là. Ils ont une bonne idée quand même de faire un délire comme ça. Je peux pas aller. Mais avec la pluie, gros, elle est galère à rouler la caisse, hein. J'ai envie de lui rentrer dedans, lui par derrière, comme ça, voir ce qui se passe. Ah oh ouais, le machin, il dégage direct, instant. Attends, je suis pas dessus avec là. Avec la lame, ouais, je suis pas sûr non plus en fait. Oh, c'est que de la déco, cousin, quoi. Ou alors, il faut lui rentrer vite dedans. Ouais, c'est sûr, je pense que ça aurait été bien de découper les voitures. Attends, je vais. Oh, sprint dans le. Ah, c'est chaud. Même le machin devant, il fait pas. Ça aurait pu faire plus de dégâts que quand on leur rentre dedans sans rien, genre, tu vois. Ciao. Oh. Ah, ouais, non, j'ai rien dit, c'est opérationnel. Ah, pas mal. Bah, dites-moi ce que vous en pensez, les potes, dans les commentaires. Si vous avez acheté cette voiture. Si vous aimez bien. Ah, si vous aimez bien le custom. Ah, gros, il est sorti. Oh, mort. Oh, gros, t'as vu comment ça les jette, gros. Mortier devant. Ça à l'arrière. Hop, petite explosion. Hop, on est garé. Non, c'est excellent. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, les potes, si la vidéo vous a plu. Nous, on vous laisse là-dessus. On vous dit à tout à l'heure. Allez, ciao tout le monde.